Si la pomme est mûre, tourne-la délicatement et elle tombera toute seule dans ta main. Un vrai bonbon naturel. Permettez-moi de cueillir pour vous celles qui sont sur les plus hautes branches. La faire tourner délicatement. Cette technique n'a pas l'air au point. Chase, le jus de pomme aussi, c'est délicieux. Papa, depuis quand il y a des cueilleurs de fruits volants à Griffin Rock? Aucune idée. Chase, en mode véhicule. On va s'occuper de ça. Tiens, Billy, tes ballons. Je m'occupe de Monsieur Alper. Vous, essayez d'arrêter ce machin volant. Grave, Danny, on poursuit un cueilleur de fruits volants à l'ouest du lac. Mais oui, bien sûr. J'arrive tout de suite. C'est de l'engrais. On pourrait demander à Blitz de nettoyer ça. Blitz a pris sa griffe pelle. Désolé, les gars. La griffe pelle ne sera plus disponible dans 3, 2, 1. On a heurté une statue. Détache-la tout de suite. Sortez lentement et mettez le moteur en veilleuse. Cueilleur volant n'est pas abîmé. Autrement, vous aurez affaire à l'avocat de ma mère. Priscilla, c'est à toi ce truc-là? Oh, si tu parles de cette invention qui va bientôt remporter le concours, alors oui, elle est à moi, Cody. Quel concours? Celui du pickpocket de l'année? Non, le concours des jeunes inventeurs. Présidé par un des amis de notre famille, Monsieur le maire. Écoute, je te conseille de tenir ton petit fauteur de trouble en laisse, c'est clair? Mademoiselle Pinch? J'espère que vous ne me demandez pas d'abandonner l'invention qui va bientôt changer nos vies. N'est-ce pas, chef Burns? Je n'oserais jamais faire ça. On se verra au concours, Cody. À moins que Francine et toi n'ayez rien à présenter.